Hey, salut tout le monde, j'espère que vous êtes tous très très bien, c'était les Câbles Best. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode, déjà le quatrième épisode, et oui, que ça passe vite, de Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours rouge. Alors qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? Eh bien souvenez-vous, on avait visité la place Pokémon, on était allé à la poste Bucky Pan pour avoir quelques missions de sauvetage qu'on avait effectuées. Et souvenez-vous, à la fin de l'épisode, après un rêve encore une fois très étrange que notre héros, à savoir Machoke, donc avait fait, on avait été accosté par un Triopiqueur qui s'était carrément incrusté dans notre base pour nous demander de secourir son Triopiqueur qui avait été enlevé par un Nermur. Donc voilà. Donc finalement, on n'a pas vraiment le choix. Hein. On va y aller. Ah oui, et avant toute chose, les réactions sur l'épisode 3. Je n'ai pas pu encore toutes les voir puisque j'ai sorti mon épisode 3 au moment où je tourne, il y a de cela une heure. Donc j'ai pas pu voir toutes vos réactions, hein. Parce évidemment ça fait qu'une heure, donc vous avez pas eu le temps de commenter ni rien. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je vois que Pokémon Donjon Mystère, mes abonnés le réclament, et ça fait plaisir, hein, parce que vraiment, voilà. Je suis content que vous réclamez Pokémon Donjon Mystère. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça m'encourage à tourner, voilà. Et sinon, on va sortir et on va aller parler sans doute à notre partenaire qui nous attend. C'est parti. Salut Lucas. Ah, on vient juste de te demander d'effectuer un sauvetage. Oui. Notre fils, le piqueur, a été enlevé. Il a été emmené vers le sommet du mont Acier. S'il vous plaît, nous avons besoin de votre aide. Au revoir. Je vois. Je crois qu'on devrait y aller. Alors oui, on va y aller, mais avant je vais regarder la boîte aux lettres s'il n'y a pas quelque chose. Ah, bon, on va le lire, hein. A tous les nouveaux secouristes, votre badge a le pouvoir de renvoyer en ville les Pokémon que vous secourez. Vous lui levez juste le badge et il fera le reste. La prochaine personne secourue, on vous donnera des points qui augmentent le grade de votre équipe. Visez le grade bronze. Organisme de secours Pokémon. Ok, on archive. Ouais, il est bien archivé, c'est bon. Mais avant d'aller faire la mission, déjà je vais voir s'il y a des trucs à acheter intéressants. Bonjour, bonjour, oui. Ah merde, ah oui, il y a plus de place. Non, on va revenir. Hein. Voilà, bonjour mon chou, ouais. On dépose. On en garde une d'explograine. On en garde une, ouais. Groupigraine, on en garde une. Pesserie, je m'en fous. Pomme, non ça va. Béoran, on en garde... On en garde deux. Pomme, on en garde deux. Voilà. Donc déjà ça, on va déposer. Mais oui. Gravelroche. Attends. Ok, qu'est-ce que j'ai là? Gravelroche, ouais. On peut les retirer à l'unité ou pas? Ah, on peut les retirer à l'unité. D'accord, donc je sais ce que je vais faire. Je vais tout déposer là. Oui. Non, je veux juste retirer maintenant. Et je vais retirer un nombre de Gravelroche faible. Je vais en retirer. Je vais en retirer 5, voilà. C'est ça. Mission accomplie, merci. Excusez-moi, je bois un petit peu. Voilà. Je prends du bon temps. Que voulez-vous? Je vais... Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Kecleon, oui. Donc, qu'est-ce que tu nous vends, toi? Une résugraine. Ah, ouais. Je vais en acheter une, je crois. Ouais. Enfin, ça dépend combien d'argent j'ai, en fait. Non, c'est les résugraines, vraiment, c'est important. Résugraines, ouais. Maintenant, je suis complètement ruiné, c'est ça le problème. Enfin, complètement ruiné, combien il me reste? 238, purée. J'espère que le prochain donjon va me... Va me rapporter gros. Et avant toute chose, je vais déposer ma résugraine là-dedans.
poser. Ouais, je sais, j'aurais pu le faire en off, mais j'aime bien faire tout avec vous, en fait. C'est quelque chose que j'aime bien, faire tout avec vous. Je trouve ça bien. Comme ça, en fait, vous voyez un peu le principe du jeu, pour ceux qui connaissent pas le jeu. Puis même pour ceux qui connaissent le jeu, j'ai vu notamment dans les commentaires, il y en a beaucoup qui sont contents que ça leur rappelle des souvenirs. C'est un peu le but aussi de ce let's play, hein, pour ceux qui connaissent le jeu, leur rappeler des bons souvenirs. Donc je trouve ça plutôt cool. On va se rendre mon assis maintenant. Alors c'est là, le mont acier. Topiqueur a été emporté vers ce pic. Exact. Le pic est à l'étage 9, merci de votre aide, au revoir. Voilà. Eh bien, je crois qu'on va y aller. En effet, on y va, on est parti. Je vous rebois un coup. Ah, de l'argent dès le début. 62 Pokédollars, c'est déjà ça. Hop. Oh, mais ça, on va commencer. Oh là là. J'ai pas beaucoup de balayage. Voilà. Alors le mont acier est un donjon plus difficile que le précédent. Mais bon. Carapuce, s'occupe-toi de lui, s'il te plaît. C'est un Pokémon de type vol. J'aurais du mal. Voilà, merci Kuro pour ton aide. On peut monter, au deuxième étage. On m'a également dit d'explorer les donjons en entier. Sans faire d'ellipse, hein, je veux dire, bien sûr. Hein, c'est les donjons, on est obligé de les explorer en entier, mais sans faire d'ellipse, quoi. Bah, c'est ce que je fais, du coup. Hop, toi tu dégages, merci. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour la petite anecdote, c'est que j'ai un pote que je connais en vrai. Ah, attendez, je vais vous dire ça après que Kuro sort. 14 PV! Oh mon dieu. Donc voilà, donc j'ai un pote en fait qui a découvert le jeu avec mon let's play. Et je vais y voir, d'accord. J'ai donc un pote qui a découvert le jeu avec mon let's play, je vais la manger. Et qui. Et qui en fait, ben. En découvrant le let's play. Je lui ai donné envie de l'acheter en fait le jeu. Et du coup maintenant il y joue. Donc ça fait toujours un plaisir de. Bah de ce genre de choses quoi. Ça prouve vraiment que on prend bien le jeu quoi, voilà. Je sais je parle beaucoup, aujourd'hui je suis un peu en forme, hein. J'ai envie de parler. Un bel plutôt. Hop, Carapuce fait charge s'il te plaît. Merci. Et c'est parti pour le troisième étage du mont acier. Une gravel rush. Bon bah écoutez, hein, j'aurais pu toutes les laisser, mais bon. Par prudence, hein. Mieux vaut en prendre. Hein. Ah, encore de l'argent, parce que l'argent vraiment. Ah, 106, oh, 106 en plus, hein. Ils ont pas fait les choses à moitié. Une Buran, d'accord. Et là-bas, il y a une orbe. Merci, Kuro. Une pétrifiante. Ah, j'aime bien ça, c'est... En fait, pétrifiante, je vais vous expliquer, ça... Ça... pétrifie tous les ennemis de la salle. Alors, vous allez me dire, ouais, mais y a pas beaucoup d'ennemis dans une salle, hein. Alors ça c'est ce que vous croyez pour le moment, mais je vous dis rien. Voilà. C'est ce que vous croyez pour le moment. Plus tard vous découvrirez quelque chose de très sympathique dans ce jeu-là. Évidemment c'est ironique quand je dis sympathique, mais vous comprendrez. Gravel Rush, Béoran et de la monnaie là-bas. 94 Pokédollars, c'est bien ça, c'est-à-dire qu'on a déjà récupéré 320, vous voyez. Finalement. Le mont acier rapporte.
Ouais, cet étage a l'air un peu plus compliqué que les autres. Enfin, un peu plus difficile à trouver les escaliers. On va aller par là. Bon, viens là, toi. Hop. Voilà. Allez, c'est du x4 hein, sur Galekid. Hein. Ça les one shot à coup sûr. Hein. Encore une orbe. Souffle-orbe. Souffle-orbe, je vais, ça fait quoi? Je vais voir ça tout de suite. Souffle-orbe. Ouais, ça c'est pas grand chose en fait. On avance. On voit l'escalier, mais on va un peu explorer quand même. J'ai ramené des pommes de toute façon. Oh merde, je voulais l'éviter, mais non, finalement. C'est la première fois que j'ai la musique du mont acier directement dans mon casque, ça fait un peu bizarre. Je vous promets que ça change de. Ça change de l'avoir dans le casque et de ne pas l'avoir dans le casque, je vous promets. En fait, il y a des choses qu'on n'entend pas sans le casque. C'est drôle. Oh bon, ça, tout le monde s'en fout. Enfin, vous en foutez sans doute, mais bon. Ouais, je dis ça quand même. Gelée orange. C'est quel type gelée orange que ça commence. Enfin, que ça fait. C'est bien. Au type combat. Ah bah, ah bah, ça tombe bien. Hop. Ah bah vous voyez, j'apprends vite sa propre efficacité. D'ailleurs faut que je fasse un peu attention au QI. Non c'est pas ici. QI, voilà. QI. On veut apprendre pro de l'efficacité, c'est quoi? Ah mais ça sert à rien pour moi ça, parce que moi je me contrôle, donc je sais qui visait. Bonsoir. C'est Carapuce qui est... Enfin c'est Kuro qui va falloir que je monte son QI, un petit peu. Ok, d'accord. Ok. Voilà, merci. J'ai plus beaucoup de balayage, je pense, donc... Oh si je perds maintenant, c'est sérieusement... Ouais, d'accord, mais... Voilà. Ça serait bien que je monte de niveau. Niveau 10. Alors, vous voyez là, le donjon a changé. Ce qui fait que vous devez sans doute vous comprendre qu'on se rapproche petit à petit du sommet du mont. Hop. Ah, ça y est. Ah, il apprend pas encore d'attaque. C'est... ah oui, d'accord, une tactique est ajoutée. La tactique, en fait, c'est quelque chose en fait, qu'on ordonne à faire à notre à nos partenaires. Enfin, à notre partenaire. Et en fait, c'est par exemple, vous voyez, je plutôt que de vous... plutôt que de vous expliquer... un peu le truc, je vais plutôt vous montrer directement ce que c'est la tactique. Regardez, sauf c'est là-dedans. Voilà, la tactique, vous voyez. Tu veux meneur à l'attaque, initiative, sauf qu'il peut. Voilà. En fait, en gros, en fonction de ce qu'on demande au Pokémon, bah il fera ce qu'on veut. Quoi. Attaque-le. J'aimerais bien qu'il y ait de l'argent, tu peux. Tiens, une graine, que c'est. Explograine. Par contre, il faudra que je fasse attention au PV parce que. Attends, merci. Voilà. Combien il me reste de balayage? 12. Ouais, je veux vraiment que je fasse gaffe. Parce que. Voilà quoi. Ah, de l'argent, voilà. Étage 7. Un Scarabrut. Vous voyez les ennemis commencent à devenir beaucoup plus coriaces. Hein. Voilà, 10 poké de l'or. Ça par contre 10 poké de l'or c'est pas très cool, hein, c'est pas beaucoup.
Allez, hop là. J'accélère parce qu'on m'a dit que je pouvais accélérer, toi tu vas te dégager. Hop. Ah, courant monte au niveau 11, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, je monte de niveau. Et tu n'apprends rien non plus. Bah voilà. Bon, toi tu veux dégager, hein, t'es quoi, t'es KO. Hein. Je vais un peu descendre, on sait jamais. Ah, vous voyez, mais rang. Et gelée quoi. Je vais l'ivoire, je vais la donner à Kuro celle-ci. Parce que moi j'en ai déjà mangé deux. Donner Kuro. Ouais. J'ai. Utilisé. Voilà. Ah bah contrôleur PP. D'accord. On va lui donner ses capacités QI là, pour leur PP, parce que ça peut être utile pour notre partenaire. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire QI, contrôleur PP, et voilà, tout simplement. En fait, ça lui permet de pas utiliser des capacités qui n'ont plus de PP, quoi. C'est mieux. Voilà, étage 8. Béoran, ouais. Tiens, c'est un débugant ou je rêve? Non, je rêve pas. Culte de lui. Merci. Oh là là. Ouais, utiliser, voilà. Ok. Merci Kuro. C'est là franchement. Ah, Max Elixir, génial quoi. Bah, ok, c'est un peu tard hein, pour en trouver un. Hein. C'est un peu tard. Hein. D'ailleurs, est-ce que j'avais un Max Elixir, moi? Pas bon. Non, même pas. Je pense en avoir gagné un, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Viens là, toi. T'es. Oula. Bon, où est l'escalier? Ah, il est là. Ce qu'on va faire, c'est que... Attendez. On va manger une beurre. Et oui, je vous spoil, mais l'étage suivant est le sommet. Voilà. Allez, go. Excusez-moi, j'étais encore en train de boire. Regarde, Lucas. Ton piqueur est là-bas. Tout va bien, dis. Nous sommes ici pour te sauver. J'ai peur. Hey, vous. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes ici pour porter secours à Topiqueur. Arrête, Armure. Laisse Topiqueur partir. Comment oses-tu? C'est de leur faute. Je ne ferme plus l'œil de la nuit à cause du tremblement de terre. Je suis terrifié. Et c'est lui et sa famille qui provoquent ces secours afin de creuser sous terre. C'est absolument faux. Je veux dire, il y a eu beaucoup de tremblements de terre, oui. Mais Topiqueur et sa famille n'y sont pour rien. Tais-toi! Je me battrai, s'il le faut. L'armure ne vaut rien entendre. Il va falloir se battre. Et c'est parti pour le premier combat, donc contre un boss. Armure. Hein. Alors, j'ai lancé le gavaloche pour infliger des dégâts. Maintenant, je vais bouffer une explograine.
Et maintenant, bah, hop. Et voilà. Voilà. Boss impossible à ne pas battre. Si vous perdez contre ce boss-là, c'est que vraiment vous êtes nul. Hein. Je vous le dis clairement, mais il est facile. Hein. Vous m'avez eu. Je m'en vais, mais je reviendrai. Ouais, c'est ça. Hé, Hermure a battu en retraite. Tu es sauvé maintenant, descends. Je peux pas. J'ai trop peur de bouger. D'accord, pas de soucis. On va venir jusqu'à toi, ne bouge pas. Oula. Waouh. Ça c'est un précipice. Je ne vois pas le fond. Lucas, qu'allons-nous faire? Nous ne pouvons pas traverser ça. Hé, hey, ce sont les magnétiques du sauvetage précédent. On nous a prévenu. On va secourir Topicker par voie aérienne. Bzzz. Accroche-toi bien. Bzzz. N'aie pas peur. On ne fera pas l'erreur de t'électrocuter. Bzzz. Oh, comme j'ai eu peur. En plus, j'avais le vertige. J'ai l'impression que mes pieds pédalent encore dans le vide. Ses pieds? Quel pied? Oh, et bien tu es en sécurité désormais. Une bonne chose, hein? Oui, merci beaucoup. Oh, tu étais secouru. Bien, bien. Oh, c'était quoi ça? Qui a dit ça? Oups, vous ne nous voyez pas? C'est très bon poli de notre part, hein. Bonjour, c'est nous. Topicker. Oh, pourquoi? Topicker, ne vous inquiétez, je n'ai pas blessé? Non, j'ai eu très peur, mais je vais bien. Tout ça grâce à l'équipe de Lucas. Bah oui, attends, normal. Merci pour tout, vous avez été formidable. Si vous voulez vous remercier quelqu'un, remerciez nos amis Magneti. Nous n'aurions pas pu effectuer ce sauvetage sans eux. Enfin, nous n'aurions pas pu faire ce sauvetage sans eux. Je fais des remixes, moi. Oh, nous avons oublié notre bonne manière. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous n'avons fait que notre devoir. De plus, je ressens une affinité. Nos formes évoluées sont toutes deux des trios soudés. Après tout, les Pokémon doivent s'entraider. En tout cas, nous vous devons une fière chandelle. Bon, Lucas, nous devons prendre congé. Kuro, merci. Au revoir. Et... Ah si, Lucas et son équipe reçoivent 500 Poké en récompense. L'équipe reçoit aussi Ruban Pécha. Ruban Pécha, si on le donne à quelqu'un de notre équipe, ça empêche qu'il soit empoisonné. L'équipe reçoit aussi G-Zinc. Ça sert à augmenter la puissance d'une attaque. Bon, eh bien, nous aussi. Attendez une seconde! Attendez! Qu'y a-t-il? Écoutez, voudriez-vous vous joindre à nous? Vous joindre à votre équipe? Oui. Sans vous, ce sauvetage n'aurait pas pu être un succès. Je crois qu'on aura davantage besoin d'aide à l'avenir. Hé, Lucas, tu le penses aussi, pas vrai? Bah oui, on doit recruter. Oh, allez! Qu'en dites-vous? Rejoignez notre équipe, qu'en dites-vous? Équipe de secours! Ça a l'air sympa! Mais si vous avez besoin de nous en urgence, nous devons nous installer dans le coin. Y a-t-il une zone adaptée à nos besoins par ici? Eh bien... Oh, il n'y en a pas. Dommage. Pardon, mais nous ne pourrons pas rester. Au revoir. C'est dommage. J'imagine qu'on doit trouver des zones où les Pokémon puissent vivre si on veut de nouveaux membres. Je sais! Allons sur la place Pokémon demain. Il y a un magasin intéressant appelé le Club Gros Doudou. Il était pas ouvert l'autre jour. Il le sera peut-être demain. Ce magasin est situé à côté de la Banque Félicité. C'est celui dont je vous avais parlé. Vous vous souvenez ou pas? En général, Gros Doudou est là. On trouvera peut-être des informations utiles là-bas. Très bien. Alors c'est ce qu'on fera demain. On ira sur la place Pokémon. Voulez-vous sauvegarder votre aventure? Oui. Alors, on va cesser ici, en fait, tout simplement, parce que ça fait un petit moment que la vidéo a commencé, ça fait une 25 minutes, je dirais, peut-être même un peu plus, d'ailleurs. Je ne sais pas trop, parce que je n'ai pas de chronomètre, moi.
Je fume avec Fraps et non pas avec Camstasia, donc je n'ai pas le chrono en fait. Je sais pas trop quand est-ce que j'ai commencé, ça doit faire une 25 minutes à peu près. Donc on va cesser ici. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Épisode 1 où on a battu un boss, hein. Et le premier boss du jeu qui n'était pas très difficile, hein, Hermur, on l'a battu. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir d'avoir des pouces bleus, hein, vraiment, c'est vraiment plaisir. Encore plus des commentaires, hein, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires également sur ce que vous avez pensé. Et on se retrouve très prochainement pour l'épisode déjà numéro 5, et eh oui, déjà numéro 5 de Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours rouge. Allez, ciao ciao tout le monde.